notre devise. C'est-à-dire, ce que nous devons faire, comment, quelle doit être notre motivation tous les jours. C'est des mots forts, mais qui se tiennent. C'est des mots forts qui se tiennent, qui sont un peu comme les maillons d'une même chaîne. Inscrite sur le sceau de l'État et sur les armoiries du Bénin, la devise de notre pays est fraternité, justice, travail. Ce qui est affiché sur votre écran mental, c'est ce que vous devenez. Vous devenez ce que vous convoitez. Donc, il faut qu'à chaque instant, on rappelle aux Béninois qu'ils sont des frères et des sœurs, et qu'ils doivent être justes les uns envers les autres, qu'ils doivent vivre par le travail et le travail bien fait. Ça doit être rappelé à tout instant. Fraternité, justice, travail, un ensemble de mots, la devise que notre nation s'est choisie pour la respecter. Un pays ne se développe pas dans le désordre. Un pays ne se développe pas de manière où chacun se met de son côté pour évoluer. Non, un pays ne se développe pas tant qu'il n'y a pas une justice qui oblige chacun à faire les choses dans les règles de l'art. Un pays ne se développe pas avec des paresseux. Le pays doit se développer avec des travailleurs. Nous devons cultiver entre nous la fraternité. Nous devons cultiver entre nous la justice. Et pour que nous puissions survivre, chacun en ce qui nous concerne, nous devons travailler. Parce que c'est le travail qui fait de l'homme un être respecté, respectable. Trois mots, trois valeurs en symbiose avec l'hymne national. Je pense que c'est l'hymne national qui a inspiré la devise. Je retrouve parfaitement dans les couplets et aussi dans le refrain de notre hymne national les valeurs qui sous-tendent notre devise, à savoir fraternité, justice et travail. Quand on prend le premier couplet, l'appel à l'unité, il ne peut y avoir unité si chaque Béninois n'est pas conscient du fait qu'il est le frère de l'autre Béninois. Dans le premier couplet, on retrouve cette valeur-là de la fraternité. Fraternité, justice, travailler. Quand je prends les autres couplets aussi, qui appellent à la sérénité, qui appellent à l'unité, qui appellent à l'optimisme, je crois qu'on ne peut pas avoir tout ça s'il n'y a pas un minimum de justice, s'il n'y a pas un minimum d'équité sociale. Justement, le troisième couplet appelle au travail. Il y a des ressources, il y a des richesses au Bénin. Nous pouvons nous permettre le droit d'espérer, mais à condition qu'on se mette résolument au travail et qu'on exploite à bon escient ces ressources-là. Je voudrais nous appeler, moi-même y compris, à une conscience collective pour le développement de notre pays. C'est très important. Et je dis, il ne suffit pas seulement qu'on soit là pour dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais ça ne va pas. Qu'est-ce que nous apportons chacun en ce qui nous concerne pour que ça puisse aller? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Le sens profond de la devise de notre pays doit être inculqué à la couche juvénile, revisité par les adultes pour booster le patriotisme du citoyen béninois.